Aujourd'hui, on inaugure le Photobooth urbain, qui est une nouvelle exposition interactive qui utilise pour une deuxième fois les vitrines du pôle comme canevas. Donc, le pôle culturel de Chambly revêt ses plus beaux atours sous les pinceaux et les crayons de Stéphanie Fiola. On va redécouvrir notre pôle culturel et on va même pouvoir y participer. Bonjour, je me présente Stéphanie Fiola. J'ai été invitée par la Ville de Chambly à réaliser un super mandat d'art urbain, un art que j'affectionne et que je travaille maintenant depuis 2 ans. Je touche également à plusieurs autres médiums. En tant qu'artiste passionnée, j'aime partager et déployer mon art dans un plus grand nombre de médiums possible. Alors, mon projet au pôle culturel, un photobooth urbain qui est une œuvre éphémère où les gens vont être invités à venir se prendre en photo avec les œuvres que j'ai peintes tout autour de la bibliothèque. J'ai vraiment voulu donner l'impression qu'on arrive donc à une fête foraine. Donc, mon premier tableau, un chapiteau comme à l'entrée d'une fête foraine. On a des barbes à papa géantes qu'on retrouve dans les fêtes foraines. Après ça, on a un kiosque à bonbons. Donc, les gens vont pouvoir venir se prendre en photo avec des immenses bonbons. Des grandes ailes de papillon, une belle queue de paon, un petit ange. On va avoir un géant octopus, un crabe et aussi un concours de force. Donc, il y aura des gros bras pour vous. Vous pouvez venir vous prendre en photo pour montrer votre force. En plus du photobooth urbain, on a décidé de créer un super cherche-trouve. Donc, au travers des œuvres présentes pour vous prendre en photo, certains éléments ont été cachés par moi-même pour vous, pour alimenter davantage. Donc, vous pouvez venir en famille, entre amis, à l'intérieur ou à l'extérieur de la bibliothèque pour réaliser ce petit jeu de cherche-trouve. C'est jusqu'au mois de septembre que les visiteurs peuvent venir se prendre en photo, donc créer des clichés originaux, des clichés amusants avec les différents décors qui sont proposés. Donc, on peut devenir un crabe, un homme fort, s'amuser dans la tente du grand chapiteau. Donc, il y a vraiment une tonne de créativité qui peut avoir lieu. Et on invite, bien entendu, les gens à nous partager leurs meilleurs clichés sur le mot-clic Chambly.